Salut tout le monde, ici Capitaine Flamme. On se retrouve pour le setup de la Peugeot L750R Hybrid Vision Gran Turismo 2017. Donc, on va faire un petit tour sur la piste, sur le Mans, donc en course quotidienne, en course dure. Donc, hein. Et on se retrouve par la suite pour le setup. A tout à l'heure. Ici Capitaine Flamme, on se retrouve pour le setup de la LR750 hybride VGT. Donc sur Le Mans en course dure, course quotidienne. Donc mon setup est le suivant. Alors niveau du freinage, 0. Hauteur de caisse, vous mettez 77 à l'avant et 90 derrière. Donc 77 pour casse manuelle à bande d'entrée de virage et 90 pour la stabilité derrière. Voilà, donc ça c'est bien comme ça, n'y touche plus. Fréquence naturelle, donc 3,78 à l'avant, un peu plus dur derrière, 3,88. Donc comme ça, elle est vraiment maniable et stable. Pour la barre en théorie, étant donné qu'elle glisse pas, 10-10. Donc parfait. Niveau de la compression, donc compression 57 à l'avant, 57 à l'arrière, pour qu'elle soit pas trop dure. Comme ça. 87 en extension à l'avant et à l'arrière. Voilà, donc pour attaquer les vibreurs de cette façon-là. En carrossage, 0,7 devant,
09 derrière. Pas trop de carrossage, hein. Voilà, il n'y en a pas besoin, elle grippe assez dans les virages. Donc là, c'est parfait. Et moins 10 pour avoir un peu de grip. Plus 0,30 derrière pour la stabilité en sortie de virage. Ce qui concerne l'aéro, 900 l'avant, 1420 à l'arrière. Voilà, après l'aéro, ça vous verrez par vous-même, mais je vous le conseille de laisser à bloc devant, éventuellement le baisser un peu à l'arrière. Ce qui concerne le DGL, donc DGL pas trop élevé, 10 à l'avant, un peu plus derrière, 20 à l'arrière. Ce qui concerne l'accélération, 10 à l'avant, 20 à l'arrière. Au niveau du freinage, on peut osciller entre 15 et 20. Moi j'ai mis 20, voilà. Et 17 à l'arrière, un freinage un peu plus incisif à l'arrière. En ce qui concerne la boîte, donc vous la mettez par défaut, après vous la mettez à 400. Une fois que vous l'avez mis à 400, vous mettez votre première à 1854, ça fait 165 km/h. La deuxième à 1652, ça fait 185 km/h. La troisième, 1325, 231 km/h. La quatrième, 1109, 276. La cinquième, à 0,957, 319 km/h. Et la 6, à 0,862, 382 km/h. Voilà, donc ça, c'est pour rouler tout seul. Si vous roulez en course, je vous conseille de lever la boîte et la mettre à pratiquement 400. Donc vous baissez votre vitesse finale, comme ceci, là. Voilà, vous économiserez de l'essence en plus, et vous la mettez à 400, là, comme je viens de faire. Donc vous la mettez à 2934. Voilà. Donc là, je la remets comme ça. Voilà. Donc une voiture sympa à conduire. Franchement, moi, je la préfère à la R18. Je la trouve beaucoup plus performante. Voilà. Donc j'ai fait 321 700, pour info. Voilà. Donc on prend 342, voilà, en ligne droite, hein. Donc je vous conseille cette voiture vivement. J'espère que ce setup vous plaira. Je vous dis à très bientôt. Allez, salut!